les chercher, les espions du KGB. Ils sont à Emmaüs, les espions du KGB. Ils sont à Amnesty, les espions du KGB. Ils sont dans les hôpitaux, les espions du KGB. Ils sont dans les ONG, les espions du KGB. Ils sont à l'ONU, les espions du KGB. Ils sont à l'UNESCO, les espions du KGB. Ils sont au courrier international, les espions du KGB. Ils sont dans l'extrême gauche, les espions du KGB. Ils sont au marché du dimanche, les espions du KGB. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux ne croient pas à toutes ces idées. Pas besoin d'avoir inventé le fil à couper le beurre pour comprendre que tout ça c'est du flan qui a tourné. On les tient par les couilles, on les fait chanter. Sinon rien de tout ça ne pourrait marcher. Ils infiltrent des mouvements, les espions du KGB. Ils inventent des mouvements, les espions du KGB. Ils parlent d'intermondialisme, les espions du KGB. Ils parlent d'anticapitalisme, les espions du KGB. Ils parlent d'anti-américanisme, les espions du KGB. Ils parlent d'antisionisme, les espions du KGB. Ils vont même jusqu'à parler de paix, les espions du KGB. Ils n'ont pas froid aux yeux, d'une mauvaise foi inébranlable. Ils vont te parler de solidarité, les espions du KGB. Tout en menaçant de tuer tes parents, les espions du KGB. Ils ont perdu d'avance, les espions du KGB. Ils veulent nous appauvrir, les espions du KGB. Ils veulent nous désorganiser, les espions du KGB. Ils pourrissent l'éducation de nos enfants, les espions du KGB. Ils n'ont aucun scrupule, les espions du KGB. Ils tuent la liberté, les espions du KGB. Ils tuent la démocratie, les espions du KGB. Ils ont perdu d'avance, les espions du KGB. Alors ils fuient en avant, les espions du KGB. Ils encouragent les islamistes, les espions du KGB. Ils veulent tuer les juifs, les espions du KGB. Ils ont envahi ma ville, les espions du KGB. Ils sont à la médiathèque, les espions du KGB. Je vais tous les détruire, les espions du KGB. C'est moi qui vais gagner. Moi, Jean-Luc Le Ténia, je vais vous faire payer. Et j'en connais deux ou trois qui seront d'accord pour m'épauler.